l'Église, le portail en ligne. J'espère sincèrement que vous vous portez bien euh, aujourd'hui. Je me présente. Mon nom est Denis et je suis le pasteur de notre site à Saint-Eustache. Si vous ne connaissez pas notre Église, et eh bien, elle est représentée par plusieurs sites. Euh, nous en avons quatre situés à Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et Abitibi. Et pour Pâques 2023, nous ouvrirons notre cinquième site situé à Montréal Nord. Plus de détails seront à venir concernant ce site. Alors si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site internet au www.égliseleportail.com ou notre page Facebook afin de connaître notamment nos différentes heures de réunion et adresses de nos sites. Nous entrons dans notre période des fêtes et plusieurs événements et activités vous sont offerts à travers nos différents départements afin de célébrer Jésus. Nous avons euh, notre service CLIC à tous les dimanches pour les enfants et ce sur tous nos sites. Nous avons notre ministère Accès qui est spécialement pour les adolescents et Portail Jeunes Adultes qui est pour euh, les jeunes adultes. Et ces deux groupes se retrouvent le vendredi soir à 19h30 au site de Laval. Si vous désirez plus d'informations, consultez leur page Facebook respective. Et un événement à ne pas manquer, super important, notre grand concert de Noël qui se tiendra le samedi 17 décembre à notre site de Laval. Pour mieux vous servir, nous tenons deux représentations, une à 16h30 et l'autre à 19h30. Vous pouvez vous procurer votre billet au coût de 10 sur nos sites ou à 12 en ligne sur Eventbrite. Notez que l'entrée est gratuite pour tous les enfants de 6 ans et moins. Et si vous avez une famille nombreuse, pas de problème. Il y a un forfait famille à 40 qui est également euh, disponible. Et quand je dis famille, il s'agit évidemment des parents et leurs enfants résidant à la même adresse. Euh, très important. Donc prenez note que les billets sont non remboursables puisque tous les profits seront versés à notre organisme communautaire, le CAP, le Centre d'aide portail, qui offre notamment plus de 140 paniers alimentaires par semaine. Mettez aussi à votre agenda... Le 24 décembre, tout juste avant d'aller dans nos familles respectives pour célébrer Noël, nous tiendrons notre traditionnelle soirée à la chandelle où des chants de Noël et un court message de Noël seront présentés. Nous vous offrons une fois de plus deux représentations, soit 14h ou 16h, tout cela complètement gratuitement. Alors finalement, prenons les prochaines minutes pour écouter le message de Noël d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous en ligne. En ce mois de décembre, nous commençons une nouvelle thématique qui s'intitule « Enfin Noël ». Enfin, enfin, c'est le temps de Noël qui arrive et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, en tout cas moi quand j'étais enfant, euh, il y avait toujours dans le mois de décembre euh, ce qu'on appelait l'anticipation, le, le, l'avant, le grand moment, puis c'était symbolisé avec le calendrier de l'avant. Puis là, on rouvrait nos petites portes avec des petits chocolats derrière. Puis plus on avançait, plus on savait que le, le grand moment qu'on attendait tous allait arriver, celui du déballage des cadeaux. Non, non, ben, là, je sais là, que maintenant, on est, on est rendu adulte, on est rendu vieux. C'est plus le déballage des cadeaux qui nous excite avec Noël, mais c'est de célébrer la naissance de Jésus. Amen. Donc, ce matin, on, on commence une nouvelle thématique. Nous allons aller dans le livre de Luc, et ce matin particulièrement, nous allons aller dans Luc euh, chapitre 1, et euh, nous allons prêcher des textes d'anticipation. Ce qui veut dire que c'est des textes qui mènent jusqu'au grand moment de la naissance de Jésus. Et là, euh, ce matin, on va faire ensemble les versets 1 à 80. Bon, inquiétez-vous pas, je ne vais pas lire 80 versets euh, ce matin, mais on va aller euh, dans ce texte-là. Et sans plus attendre, commencer ensemble. Luc euh, chapitre 1, versets 1 à 4, et je ne vais pas lire les textes, mais simplement euh, je vais vous les paraphraser, et c'est mon premier point. Dieu a parlé historiquement. Premièrement, dans le livre de Luc, ça va commencer par une communication entre Luc et celui qui l'a mandaté pour faire son enquête, hein, pour, pour rédiger l'évangile euh, de Luc. C'est une quête de vérité qui se passe à ce moment-là. Luc veut chercher la vraie histoire. Il ne cherche pas des fables, pas de mythes, pas de récits à abracadabra, pas de mensonges. Ce que Théophile demande à Luc, c'est de trouver la vérité. Il va simplement lui dire Rapporte-moi cette vérité-là qui s'est passée. Le contexte est important. C'est important d'établir le contexte. À ce moment-là, ça fait 500 ans que Dieu n'a pas parlé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Entre l'Ancien Testament et les événements qu'on va voir à ce moment-là dans le Nouveau Testament, il se passe 500 ans. 500 ans où Dieu ne parle pas. Il n'y voit pas de prophète, il n'y a pas de miraculeux, il n'y a pas de manifestation extraordinaire de la présence de Dieu. Je dirais même que c'est le contraire. Pendant ces 500 ans-là, il va y avoir de la conquête romaine, il va y avoir une révolte, il va y avoir des révoltes, il va y avoir de violentes répressions. Et Théophile se dit, il a entendu des choses. Puis là, il se dit vraiment, après 500 ans, Dieu parle, et c'est pourquoi il va envoyer Luc. Il va envoyer Luc faire son investigation. Et vous savez ce que Luc fait à ce moment-là ça, ça se fait encore jusqu'à aujourd'hui, hein cette, cette recherche, cette quête du Jésus historique, cette quête-là de la vérité, de dire, est-ce que ces événements-là se sont vraiment passés? Est-ce que la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, est-ce des choses historiques? Bon, je ne vais pas faire un, un cours ce matin de défense de la validité des Écritures, mais en rafale, okay? je vous envoie en rafale quelques points, quelques preuves de la validité de l'Évangile. Premièrement, le tombeau vide authentifie l'Évangile. Plusieurs des grandes religions de ce monde ont eu des prophètes, que ce soit Mohammed, que ce soit Bouddha, que ce soit name it. Ils sont morts, ils sont allés dans la tombe et ils sont restés. Les tombes sont toujours là. Les grands hommes de ce monde meurent et restent dans la tombe. Jésus, ce n'est pas le cas. Le christianisme, on ne va pas se recueillir sur la tombe de Jésus parce que cette tombe-là, elle est vide. La, la tombe vide authentifie l'Évangile. Deuxièmement, il y a la transformation de la famille de Jésus. C'est pas souvent un point qui est soulevé, mais je trouve que c'est important. Pour tous ceux que vous avez des frères et des sœurs, déjà, dans la fratrie, c'est difficile que ton petit frère ton, ou, ta, ou ton grand frère, ta grande sœur te dise T'as raison. Mais imaginez-vous dans le cas de Jésus non seulement ses frères et ses sœurs vont dire T'as raison, mais ils vont lui dire Il est Dieu. Parce qu'on peut le voir hein, dans, dans Actes, par exemple, on va voir que Jacques, le frère de Jésus, va être euh, un des leaders essentiels de Jérusalem. Euh, la mère de Jésus, Marie, euh, va être au pied de la croix. Euh, vraiment, elle reconnaît cette validité-là, que Jésus est le Fils de Dieu. La transformation de la famille autour de Jésus est une preuve de plus de la validité de l'Évangile. La mort des apôtres en martyrs en est une autre. Parce que honnêtement. Tous les apôtres, sauf Jean, sont morts dans des, dans, des, dans des circonstances assez tragiques. Ils sont morts en martyrs. Ils ont, ils ont été tués. Et je connais pas grand monde qui serait prêt à mourir pour un mensonge. Mourir pour la vérité, ça va. Mourir pour quelque chose qu'on croit euh, vraiment qu'on a des convictions, ça va. Mais mourir pour un mensonge, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un des, des, des apôtres qui aurait craqué si ça avait été un mensonge? Non, ils sont tous allés jusqu'au martyr. Quatrièmement, les femmes comme premiers témoins. Les femmes ont été les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Et là, vous pouvez me dire Oui, mais c'est quoi le rapport À l'époque, c'est immense parce que les femmes n'ont aucune valeur juridique. Le témoignage d'une femme n'a pas de valeur. C'est vraiment exceptionnel et c'est vraiment quelque chose de presque anti, on veut presque anti nous convaincre lorsque les femmes sont présentées comme étant les premiers témoins. Justement, c'est quelque chose de, de, de formidable. Cinquièmement, le grand nombre de témoins. Il va y avoir un grand nombre de témoins de la résurrection de Jésus. 500 personnes vont être témoins de son apparition quand il va apparaître à la fin avant d'être enlevé au ciel. Et sixièmement, l'unicité de la Bible. Entre Genèse et Apocalypse, il y a des siècles et des siècles qui les séparent, l'écriture, la rédaction, tout ça. Pourtant, lorsqu'on porte un regard attentif, lorsqu'on va fouiller, on peut voir le récit qui est là, comme un fil. Hein, on, en anglais, on dit le, le silver lining, la, la, la ligne d'argent la, la qui, qui se trace au travers tout le texte, toute l'histoire. C'est uni, la Bible, d'un couvert à l'autre. On voit que c'est fondamentalement le même auteur. Et c'est sans parler de tous les historiens antiques qui vont pointer vers la fiabilité, comme par exemple Flavius Joseph, Tacite, Suétone, Séparion ou encore Pline, qui sont des historiens antiques qui vont parler du Jésus de Nazareth, qui vont parler de ce Jésus qui a été crucifié, le Nazaréen, c'est des mots qui reviennent. Donc, à savoir, est-ce que Dieu a historiquement parlé ou est-ce que les chrétiens ont croit à une fable ou un mythe? La réponse est Dieu a parlé historiquement. C les, eff, les, les, les événements de la Bible sont réels. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est important d'établir la base. Hein? Le, le, le récit de Noël, ce n'est pas, pas comme le Père Noël ou c'est pas comme le récit de, de toutes sortes de choses fantastiques. C'est un récit qui est réel et historique. Et continuons ensemble. Dans le verset 5 à 25, c'est une longue lecture, restez avec moi, mais je vais lire d'un coup 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui, mais l'ange lui dit Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela, car je suis vieux et ma femme... En, est, en, est avancé en âge. L'ange lui répondit Je suis Gabriel, je me tiens devant toi, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici Tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie s'étonnant de ce qu'il restait aussi longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant :« C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Ici, mon deuxième point, c'est Dieu a parlé miraculeusement. Ici, on a vraiment la méthodologie de Dieu en action. On a Zacharie qui est un homme assez ordinaire, mais il est fidèle et droit devant Dieu. On le voit qu'il est en train d'accomplir son devoir, mais il vit une situation difficile pour lui et sa femme. Hein, sa femme est infertile ou il est infertile. Parce que, du moins, ils n'ont pas d'enfant. Et je me dis, à ce moment-là, il aurait pu être belle. Il aurait pu être belle, Zacharie, puis dire non. Moi, je n'irai pas servir au temple. J'ai été, été tiré au sort. Non, je n'irai pas. Il aurait pu aussi être amer. Il aurait pu être fâché de la situation. Il aurait pu être fâché envers Dieu. Mais ce n'est pas leur attitude. Ce n'est pas l'attitude ni d'Élisabeth ni de Zacharie. À la place, il a préféré continuer d'observer de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est ce que le texte nous dit. Ça nous mène à à porter le regard sur nous-mêmes, sur notre propre attitude, notre propre motivation, face au silence de Dieu. Parce que c'est ce qui arrive, hein? 500 ans de silence. Face aux circonstances de nos vies, quelle attitude gardons-nous face à, à, aux commandements, face à Dieu, face à ses commandements, face au service? Je trouve ça assez significatif personnellement. De voir que c'est pendant le service de Zacharie que Dieu va briser le silence. C'est pas lorsqu'il était chez lui, c'est pas lorsqu'il dormait, c'est pas lorsqu'il était à l'extérieur, c'est pas lorsqu'il. Non, non, c'est lorsqu'il était dans le service au temple, entre... il, il allait offrir les parfums, il allait faire ce qu'on s'attendait de lui. Et c'est à ce moment-là qu'un ange va apparaître et va lui annoncer la naissance d'un enfant. Celui qui aura l'esprit et la puissance d'Élie. Et là, pour ceux qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'Ancien le, le, Testament, Élie, c'est un, 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 un puissant prophète de l'Ancien Testament. C'est vraiment un puissant prophète de l'Ancien Testament. Et, et, et en fait, ce qui qu est en train de dire là, ce qu'il est en train de se faire dire, il va y avoir la puissance d'Élie sur lui et l'esprit. Ça veut dire que Dieu est en train de dire à Zacharie Je, je vais susciter un prophète. Ça fait 500 ans que Dieu n'a pas parlé. Ça fait 500 ans que Dieu n'a pas suscité de prophète parmi son peuple. Et là, il dit à Zacharie Tu vas avoir un enfant, et cet enfant-là va être le prophète qui va venir. Après 500 ans de silence. Mais ce n'est pas seulement juste un autre prophète. Ce n'est pas un prophète comme les autres prophètes. Ce n'est pas un prophète dans la lignée des autres prophètes. Mais c'est celui qui va préparer le chemin de Dieu lui-même, du Messie. Moi, je trouve ça assez exceptionnel. Puis, puis il faut comprendre. Okay? C'est comme les prémices, en fait. On, on voit ici l'annonce des prémices de la grande et bonne nouvelle. C'est comme un peu le premier acte avant la grande révélation du personnage principal. En fait, c'est comme quand, tu sais, début décembre, tu embarques dans ta voiture, tu pars ta voiture, et là, soudainement, à la radio, il joue de la musique de Noël. Ça ne veut pas dire que c'est Noël maintenant. Mais ça veut dire que tu rentres dans la période de Noël. En tout cas, moi, je sais que quand j'entends de la musique de Noël à la radio, je me dis Oh, OK, on est dans temps -là. Est ce temps-là. Est-ce que ça veut dire que c'est Noël aujourd'hui même ou c'est Noël demain matin? Non. Mais c'est l'annonce, hein? ça, ça, ça nous dit quelque chose. On approche. Et face à cette révélation-là, Zachary va être un peu sous le choc. Puis, entre vous et moi, là, il faut le comprendre. Zacharie ne s'attend pas du tout à ce que un, un ange apparaisse, deux, lui annonce un miracle qu'il va avoir un enfant. Et trois, que cet enfant-là, ce ne sera pas n'importe quel enfant, ça va être un enfant qui va avoir la puissance et l'esprit d'Élie, puis qui va venir préparer le chemin du Seigneur. C'est comme Wow! Et là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, Zacharie va éprouver va un doute. Il va être comme. Aveuglé par ses circonstances, bien rationnel. Hein? C'est bien rationnel ce qu'il va dire là. Il va dire hey, comment ça va se passer? Parce que je suis vieux. Puis ma femme est avancée en âge. C est, c est, dans sa tête, lui, il, il est juste rationnel, Zachary, à ce moment-là. Hein? Il dit Hey, un plus un, là, ça ne marchera pas. Là. Comment, comment ça va marcher? Mais il a éprouvé du doute. Mais en fait, Dieu n'est pas vraiment ébranlé par le doute. Hein. Ce n'est pas le doute de Zacharie qui va empêcher que Dieu va faire ce qu'il a à faire. Parce qu'il y en a plein d'exemples de doute dans la Bible. Il y a Thomas, par exemple, hein, à la résurrection, qui va douter. Mais ce n'est pas un problème, le doute de Thomas. Ou encore Pierre, lorsqu'il va, va marcher sur l'eau avec Jésus, il va douter. Puis il y en a plein, plein, plein et plein d'autres exemples de doute dans la Bible. Parce que le doute est une réaction très humaine. Face à la grandeur et l'impossible du miraculeux. Pensez-y deux secondes. Cependant, la suite du texte est vraiment symbolique, Elle est importante. Elle est réelle, mais il y a un grand symbole derrière. L'ange va rendre Zacharie muet. C'est phénoménal. Hein? Dieu brise le silence après 500 ans pour annoncer la venue du prophète qui prépare le chemin du Messie. Zacharie va douter et Dieu va lui fermer la langue. Parce que notre langue est un outil puissant dont le but principal est d'adorer et de louer Dieu. La réponse de Zacharie à l'annonce la, de l'ange aurait dû être la louange. Mais en même temps, à sa place, est-ce qu'on n'aurait pas fait un peu la même chose? Notre rationalité qui nous aurait amené à douter un peu. Zacharie va retourner chez lui, sa femme va tomber enceinte. Donc, ce que l'ange a dit est vrai. La promesse de Dieu était vraie. Le miracle que Dieu a annoncé s'est produit. Et le texte continue. Et on va sauter un petit peu. J'ai fait 5-25, On va sauter à 57 à 80. Encore une fois, je vais faire la longue lecture pour vous. Vous pouvez me suivre à l'écran sans problème. Ou si vous avez votre Bible, ouvrez-la. Luc 1, 57-80. Le temps où Elisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit Non, il sera appelé Jean. Et ils lui dirent Il n'y a pas de ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'appara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur, en disant, Qui sera donc cet enfant Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un Seigneur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos, envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la, et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger dans nos pas, nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Mon troisième point ce matin, Dieu a parlé. Prophétiquement, Dieu a parlé historiquement, Dieu a parlé miraculeusement et Dieu a parlé prophétiquement. Le jour de la naissance arrive, hein, c'est un peu l'accomplissement du miracle. C'est ok, oui, là, Elisabeth, elle est enceinte, mais j'imagine le couple qui attend avec impatience la naissance de ce bébé-là. Et lorsque le bébé arrive, la langue de Zacharie va être déliée et le texte va nous dire que ses premières paroles sont qu'il bénissait Dieu. Est-ce que vous voyez un peu l'écart entre la première annonce et le résultat? À l'annonce, la première fois qu'il se fait dire tu vas avoir un enfant, il fait comme Ah, comment ça va se passer? Il a douté. Maintenant, il est témoin du miraculeux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer Dieu. Une louange de reconnaissance pour ce miracle et l'intervention de Dieu. Parce que si Dieu n'était pas intervenu, ce miracle-là n'aurait pas pu arriver. Alors que dans la première partie du texte, Dieu brise le silence avec l'envoi de l'ange pour l'annonce à Zacharie. Dieu va maintenant utiliser Zacharie pour une déclaration publique. Donc au début, c'est un peu comme euh, lorsque euh, on, on, a, on a des enfants, ou c'est la première fois qu'on a des enfants. Moi, je, lorsque ma femme est enceinte, elle n'est pas arrivée avec le test de grossesse, puis la première chose qui est arrivée, puis elle le dit à toute la famille. Non, elle est venue me voir avant, elle est venue me le voir, elle est venue me dire, je suis enceinte. C'est un à un. Puis ensuite, on va au reste de la famille. Et c'est un peu la même chose qui se passe ici. Dieu a parlé à Zacharie en un à un, avec, en, par l'intermise de l'ange. Un à un. Il lui a dit, voici ce qui va arriver. Tu vas avoir un enfant, et cet enfant-là va être un prophète, et il va préparer les voies du Messie. Et puis, la bouche est fermée. Zacharie ne peut plus parler. Puis là, à ce moment-là, Dieu va réutiliser Zacharie, et cette fois-là, pour une déclaration qui est publique. On le voit après, hein, l'Esprit il va, il va de Dieu va être sur lui, il va se mettre à prophétiser. Dieu, au travers de ce, 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 ce magnifique texte, parce que c'est vraiment un texte magnifique, en fait, c'est quasiment comme un proto-évangile. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme, c'est l'évangile condensé dans les mots de Zacharie, okay? dans le sens où il n'y a pas nécessairement la croix ou ces trucs-là qui sont présentés, mais c'est l'Évangile, la bonne nouvelle, elle est annoncée à ce moment-là. Dieu va rappeler à son peuple qu'il n'a pas oublié l'alliance. Et ça, c'est important, parce que ça fait 500 ans qu'il y a un silence. Et Dieu rappelle, je n'ai pas oublié l'alliance que j'ai faite avec vos pères. Les promesses que j'ai faites sont toujours vraies. Il leur rappelle ça dans ce texte-là. Il va annoncer que le pardon des péchés arrive, qu'il vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres et la mort. C'est l'Évangile. Moi, quand je regarde cette prophétie-là, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de plus prophétique que d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et si vous êtes à la maison, vous avez le droit de dire Amen. C'est ce que Zacharie annonce la bonne nouvelle, le pardon des péchés, la lumière dans les ténèbres, la lumière dans la mort. Après des mois à être muet, neuf mois pour être exact, la première chose qu'il va dire en ouvrant la bouche, c'est une louange à l'Éternel. Louange et bonne nouvelle. Louange et bonne nouvelle, reconnaissance et bonne nouvelle. C'est ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va prophétiser. Et quand nous avons une saine compréhension de la bonne nouvelle de Jésus, nous savons qu'il n'y a rien de plus puissant, rien de plus spirituel, rien de plus surnaturel que la puissance de la résurrection de Christ. Amen. La victoire sur la mort, l'espoir, rien de tout ça, rien de tout ça, tout ça là. La bonne nouvelle ne va pas changer jusqu'au retour de Jésus. Et pour que Jésus puisse aller à la croix, ben, il faut qu'il naisse. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. C'est ça, c'est ce moment-là, c'est cette anticipation-là de la venue du Messie, la venue de celui qui va venir sceller l'alliance, qui va venir vraiment accomplir les promesses, celui qui va venir nous apporter le pardon de nos péchés, celui qui va venir apporter la lumière dans les ténèbres, celui qui va venir mettre un terme à la mort. C'est ce Jésus-Christ-là. Et tout ça doit commencer par sa naissance qui, qui est annoncée. Ça, ça, ça va s'en venir. On, tranquillement, on construit. Hein. Si le prophète qui va annoncer, qui va préparer les voies du Seigneur viennent de naître, euh, Jésus n'est pas loin derrière. Là. Et moi, je veux vous rappeler quelque chose. Frères et sœurs, dans le silence de nos vies, là, parce que, tu sais, là, c'est... C'est grandiose, ça fait 500 ans que Dieu ne parle pas. Mais si on, est, euh, si on est honnête, il y a des saisons de nos vies où Dieu ne semble pas parler. Et on l'a vu dans le livre de Job hein, aussi. D'ailleurs, pour ceux qui, qui nous suivent euh, régulièrement, on vient de terminer le livre de Job. Et on voit dans le livre de Job que pendant un long moment, Dieu est silencieux. Dieu ne répond pas. Il va répondre à la fin. Mais au travers les différents chapitres, Dieu, Dieu va rester silencieux. Et On voit ça dans plusieurs autres textes de la Bible, mais dans le silence de nos vies, quand Dieu est silencieux dans notre saison, c'est quoi l'attitude que nous avons Et moi, je veux vous enjoindre, je vous prie, de jamais oublier cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle qui nous dit que Dieu, lui, n'y a pas oublié son alliance envers nous, même s'il est silencieux. Dieu n'oublie pas son alliance. Que même lorsqu'il est silencieux, lorsque, même lorsque tu penses que Dieu ne t'entend pas, ne t'écoute pas, les promesses qu'il a dites sont encore vraies. N'oublions pas que Jésus a pardonné nos péchés et que nous avons accès à la croix pour nous repentir et être libérés des ténèbres et de la mort. N'oublions jamais que Dieu nous aime. Qu'alors que, que nous ne le cherchions pas, que nous étions pécheurs, lui, il nous a trouvés, sauvés, lavé de nos péchés et rendu dignes d'être appelés enfants de Dieu. Amen. Et c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Parce que dans le silence de nos vies, les circonstances désagréables de nos vies ont tendance à nous rendre aveugles, à nous rendre sourds. Et même des fois à nous rendre muets. Parce qu'on n'arrive plus à voir Dieu, on n'arrive plus à entendre Dieu, puis on n'arrive plus à prier Dieu, à louer Dieu. Mais s'il y a une chose à ne pas oublier, c'est la simplicité de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui nous sauve, qui nous rachète et qui nous permet aujourd'hui d'être appelés enfants de Dieu. Parce que même lorsque ça va mal, même lorsque nous sommes dans les ténèbres, lorsque tout semble perdu, lorsqu'on est dans la tempête et qu'on ne voit pas le bout, ses promesses restent toujours vraies. Le fait qu'il a parlé reste toujours vrai. Le fait qu'il est mort sur la croix pour nous est toujours vrai. Amène à ça. Et je vais terminer. Je vais terminer avec ça. Quatrièmement, Dieu parle maintenant. Je termine avec ça. Alors que Dieu a parlé au travers de l'histoire, Dieu a parlé de façon miraculeuse, Dieu a parlé de façon prophétique, il continue de parler à son peuple aujourd'hui et maintenant. Sa parole, elle est vivante. L'enseignement de la Bible, elle est pertinente et actuelle pour ta vie, pour ma vie. Et là, ce matin, la balle est dans ton camp. Et dans ton camp, à toi. C'est à toi de répondre. Et là, tu dois dire à la maison, OK pasteur, mais comment Comment je réponds à la bonne nouvelle Ben merci, merci de poser la question, c'est exactement ça que j'ai envie de répondre en terminant. On voit dans, dans le texte qu'on vient de voir ce matin, mais aussi dans plein d'autres textes, on voit que la louange, elle est présente. La louange, elle est même très présente. Zacharie va bénir et va louer, va, va louer Dieu. On va voir un petit peu plus tard dans la thématique Marie qui va faire un cantique euh, pour louer Dieu. On voit Élisabeth qui va faire la même chose. Euh, les anges à la naissance de Jésus, les bergers, les apôtres. Il y a plein de gens au travers de la Bible. Et leur première réaction, c'est la louange. Et ce matin, il n'y a pas de question de savoir est-ce que je prie les bons mots? Est-ce que, est que je dis les bonnes phrases? Est-ce que je chante bien? Parce que l'affaire avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde jamais ta performance, mais bien ta reconnaissance. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Peu importe ta situation, peu importe ce que tu vis, peu importe la circonstance de ta vie, nous avons toujours quelque chose à louer. Et ce quelque chose, cette personne, c'est Jésus. Peu importe ce qui nous arrive, peu importe nos circonstances, nous pouvons toujours être reconnaissants que Dieu a sauvé notre âme. Donc prenons ce temps. Prenons un temps simplement pour prier, puis après on va aller louer le nom de Jésus. Donc Seigneur Jésus. Ce matin, on veut être reconnaissant avec toi, reconnaissant de l'œuvre miraculeuse que tu as accomplie au travers l'histoire, mais aussi au travers de nos propres vies. Parce que, Seigneur, tu as fait une œuvre miraculeuse. Tu nous as pris là où nous étions, pécheurs, loin de toi, séparés, rebelles, et tu nous as restaurés. Tu nous as lavés de nos péchés. Tu nous as rendus dignes de recevoir le titre d'enfant de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, Seigneur, que d'être reconnaissant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, Seigneur, que de louer ton puissant nom? On se présente devant toi, Seigneur, avec un cœur tellement humble, parce qu'on n'a rien fait de tout ça. Rien fait pour mériter, rien fait pour l'obtenir. Ce n'est pas nous qui sommes montés vers toi, Seigneur Dieu, mais c'est toi qui es descendu vers nous. Parce que tu nous aimes, parce que tu veux prendre soin de nous, parce que tu es fidèle, parce que tu voulais offrir le moyen, par Jésus à la croix, de nous réconcilier avec toi. Le Seigneur, ce matin, on prie, on prie cette reconnaissance, on élève ton nom encore et encore. Aujourd'hui, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, sur nos lèvres, nous allons proclamer la, la reconnaissance. Parce que nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que tous à la maison ont dit un beau et un grand Amen. Et sur ce, levons-nous, levons-nous, même si vous êtes dans votre salon, levons-nous et allons louer le nom de Jésus. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Si tu veux en savoir plus sur Jésus ou sur l'Église, je t'invite à nous écrire à info à -le et un membre de notre personnel te contactera dans les plus brefs délais. Cette invitation est valable également pour toi qui vis des défis, des souffrances ou bien tu as une requête de prière quelconque. N'hésite pas, surtout écris-nous. On, on veut prendre du temps avec toi. C'est vraiment important pour nous de pouvoir prendre soin de toi. En terminant, je vous dis merci. Merci vraiment de votre soutien, votre soutien à l'œuvre de Jésus. Elle continue à sauver et transformer des vies. Votre soutien est important, votre soutien à la prière, votre soutien financier est important et contribue à notre mission qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Donc, pour nous soutenir, très simple, vous pouvez le faire directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant simplement à don avec un S à église au nom de toute l'équipe. Passez un bon temps des fêtes.